c'est par là. Eh, hey, vous voyez le panneau là? Ouais, Parrot World. On va à Parrot World. Alors, c'est un nouveau parc qui a ouvert ses portes il y a tout juste une semaine, le 15 août. C'était aussi la date de l'anniversaire de ma maman. Au passage, je lui souhaite encore un bon anniversaire. Donc là, on est avec les enfants. À Crécy-la-Chapelle, à 30 minutes à l'est de Paris. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Direction. Gabi, on va où là? Faut voir la pancarte. Parrot World. Ça veut dire quoi, Parrot? Perroquet. Et nous sommes avec Léonie et Vaiana. Coucou. Donc avant de vous faire visiter le parc, nous allons vous parler de l'association qui l'a créé, la Parrot Wildlife Foundation, qui a pour but de protéger les perroquets dans leur environnement naturel. Comme vous pouvez le voir sur le projet du parc, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie et en Afrique. Donc la conservation est au cœur des actions de l'association. Elle finance des programmes de protection de leur habitat, elle lutte contre la déforestation et le braconnage, elle crée de nouveaux nids. Et juste avant d'arriver dans le parc, nous pouvons voir le centre de conservation qui héberge des couples d'espèces menacées dans le but de favoriser leur reproduction. Et elle crée des volières et met en place des programmes d'éducation comme Parrot World qui a pour but de sensibiliser le grand public à la protection de la nature. Alors venez visiter Parrot World pour aider l'association et éduquer les générations futures. Bienvenue à Parrot World. Nous passons par le bâtiment pour entrer dans le parc et nous arrivons en Amazonie où nous découvrons certains animaux qui font partie de l'environnement du perroquet, notamment le coatibrin. C'est cruel. Il se gratte les fesses l'autre. Ça s'appelle comment? Ah, il y en a plusieurs. C'est un coatibrin. T'as raté la scène du il se gratte les fesses. C'est un animal, il se gratte. Voilà, une des plus grandes volières d'Europe qui vous emmène en Amérique du Sud. Nous entrons dans la volière à la découverte des perroquets. Alors, Thomas, je t'écoute. Tu m'avais expliqué quelque chose sur les flamants roses. Les roses, ils sont roses parce qu'ils mangent des crevettes et on peut voir que les petits ont déjà commencé, vu qu'ils commencent à être roses. T'as vu ? Voici le domaine des loutres. Oh, elle va ressortir. Ah ouais, elle est forte, on a pris la bestiole. Ah ouais, elle est là-bas. Il y en a une autre. Ah là, elle est trop bien. Le loutre dit là. C'est une loutre géante. Ouais, je sais, c'est une loutre dit là. C'est les crocodiles, Jordan, hein? C'est des faux, les crocodiles. Toi, t'aimes bien les crocodiles, hein? Oh, Kiki! Là, t'as vu les oiseaux? Ça, c'est un gros serpent, ça, c'est un anaconda, même ça. T'as vu les oiseaux? T'endors, Jordan? Là, on a quoi, Thomas, alors? On a des ibis rouges. On a des dendrocygnes fauves. Ça se dit comme ça? Dendrocygnes. Ah, dendrocygnes. Dendrocygnes fauves. Il y a des canards, il y a des corails. Regarde-moi et ces petits. Et on a des hérons garde-bœufs. Ces petits regards de canaille. Jordan, ouais. Il y a aussi des spatules.
Et voici un exemple de campement de la Parrot Wildlife Foundation. Vous le reconnaissez ? Eh oui, c'est Jamy Gourmand qui présentait l'émission « C'est pas sorcier ». Donc c'est le parrain de l'association Parrot Wildlife Foundation. Et ici, il vous présente notamment leurs différentes actions. Dans ce campement, on nous présente notamment les menaces qui pèsent sur les perroquets, donc la déforestation et le braconnage. Vous avez ici une petite présentation des perroquets, avec leur anatomie et leur mode de vie. On vous montre un exemple de nid qui est fabriqué par l'association pour eux. Et ici, vous pouvez voir la liste mondiale des espèces menacées, avec en bas à gauche les échelles, selon les espèces. Donc nous sommes en Patagonie avec les manchots de Humboldt. Voilà. 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 Et voici les guanacos. Derrière moi, vous pouvez voir les nandous. Du parc. Parrot World. Et là, vous avez un mica. Et un jojo. Hein. Le jaune là. Bien. Le rouge, il faut monter. Alors viens, on va faire le jaune. Regarde, il y a papa en bas. Avec Thomas. T'as vu? Oh. Allez, viens, on va faire le toboggan jaune. C'est bon, on s'installe? Attends, tu attends maman, on va descendre ensemble. Viens. Viens, viens avec maman. Mais viens avec maman. Oui, bah tu descends avec. T'es prêt Jordan, on y va? Allez Jordan. Vous êtes sérieux? Vous descendez à 3? Oh là là. Il n'a pas voulu descendre. Vous étiez bloqué là. Vers lequel maintenant, Jordan? Celui-là? Il faut monter là-haut. On y va. Allez, vas-y. T'es prêt? Attention. On est parti. Et voilà. T'as fait le rouge. On va faire quoi maintenant? Là-bas? Allez, on est parti!